Alors là, la deuxième partie va être un petit peu plus longue, donc, mais bon, ça va jouer sur 5 minutes. Je voudrais essayer de parler de... Je baisse le son, elle est trop forte cette vidéo. Je voudrais parler d'un certain nombre de pratiques sociales qui émergent de l'Internet et de voir qu'est-ce qui est commun à l'ensemble de ces pratiques sociales et qui va nous donner une espèce de vision transversale, sociales et culturelles. Hein. C'est-à-dire là, je m'intéresse que à la production culturelle. Ce que vous voyez là, c'est ce qui s'appelle le booktubing. Hein, donc c'est l'idée de tubing, YouTube. Je filme des choses à propos des livres. Je crée donc une vidéo où j'explique, voilà les livres que j'ai lus, voilà pourquoi ils me plaisent, voilà pourquoi c'est sympa, etc. Alors, vous avez cette jeune fille qui cause en français. Les vidéos seront disponibles en barre d'infos sur chacun des livres que je présente. Je ne les chronique pas tous, mais pour la plupart, ils seront chroniqués. Et je vous précise toujours quand il y a une chronique vidéo, bien évidemment. J'ai déjà commencé le mois de juin en lisant « La balade de l'impossible » de Haruki Murakami, publié aux éditions France Loisirs. Donc, continué mon mois en lisant « Six mois vifs » de Marie. Et après, elle va en parler, je vais couper ça. Puis j'ai continué le mois. Pour passer à la vidéo suivante. La vidéo suivante, c'est un autre booktuber. What's good, players? This week we cheapened some of that Middle Earth scroll with The Hobbit by J.R.R. Tolkien. PhD. Donc il a sa thèse. Hein. Le style, voilà. Le booktubing, c'est essayer de s'adresser... Oh, je vais le couper. Hein. Je vais baisser le son, en tout cas. Donc, le booktubing, c'est toujours constituer une communauté. Premier élément qui va être vrai pour toutes les nouvelles pratiques culturelles que je mets en avant, c'est constituer une communauté de gens qui vont vous suivre, qui vont travailler avec vous. Et un des moyens de constituer cette communauté, la jeune fille là-haut a fait des tutoriels. Comment, toi, tu peux devenir booktuber? C'est pas une communauté au sens d'un groupe de fans. C'est, je suis booktuber, je présente les livres que j'ai lus, mais j'aimerais bien regarder ce que toi, tu dis des livres que tu as lus. Et je crée comme ça un réseau de booktubers. Donc là aussi, aspect de l'échange réciproque, non pas du modèle uniquement descendant, top-down, broadcast des médias, mais un modèle d'un échange réciproque. D'où l'importance des tutorials. Et donc, comment tu filmes, comment tu coupes, avec quoi tu vas faire le montage, comment tu présentes les choses, etc. S'aider les uns les autres pour élargir le sens de la communauté. Le deuxième élément, on le voit particulièrement avec la vidéo d'en bas, c'est le transmédia. C'est-à-dire, je parle des livres sur de la vidéo. Mais en même temps, j'utilise les illustrations des livres pour créer des illustrations de ma vidéo. Je mets moi-même en spectacle. Donc, vous avez vu, il est arrivé dans son fauteuil avec sa voix rauque et tout. Il met en spectacle les livres qu'il va mettre en avant. Donc là aussi, une pratique transmédiatique. Voilà. Et puis, juste en contrepoint, au moment où ces jeunes, parce qu'en général, c'est des jeunes gens... font du booktubing, échangent des choses sur les livres, échangent en fait avec l'intérêt collectif de la lecture, le système, Amazon en l'occurrence, est en train de transformer la lecture profondément en payant les auteurs à partir du nombre de pages lues. Vous voyez le raisonnement. Je ne paye pas l'auteur parce que j'achète un livre, que j'ouvre, des fois je n'en lis qu'une partie, il me tombe des mains, ou au contraire je dis « Ah, celui-là, je l'achète, mais je vais le lire plus tard quand je serai plus disponible. » Enfin, il y a toute une série d'approches. Globalement, si on n'a pas sur sa table ou au pied de son lit plus de livres que ceux qu'on va lire, on s'arrête de lire. Il faut toujours qu'on en ait plus, et on a toujours, tous les grands lecteurs, s'il y en a parmi vous, ont acheté plus de livres que ceux qu'ils ont lus. Voilà. Ils les achètent et puis ils en lisent qu'une partie. Je baisse un peu le son. Voilà, donc ne serait-ce que pour avoir toujours ce choix, cette incitation, ces choses différentes auprès de soi. Or là, en faisant payer à la page lue, on obtient un monde où on va compter la lecture. La lecture n'est plus un plaisir, c'est quelque chose qui se compte. On a des statistiques de lecture. Et ça a été rendu possible... Il y a quelques années, il y a eu un scandale
qu'on a appelé le Adobe Gate, où Adobe avait justement mis en place le système technique qui permettait de savoir combien de pages étaient lues, qui implique forcément un traçage très précis de vos activités. Quelles pages vous avez lues, dans quel sens, dans quel ordre, c'est un traçage excessivement précis. Et la réponse de Adobe à ce moment-là était, bah oui, mais vous savez, il y a des gens qui le demandent. C'est-à-dire qu'il y a des industries qui demandent que l'on le calcule comme ça. Accessoirement, vous avez vu la somme que Amazon propose aux auteurs qui, pour le Kindle Unlimited, un 6 millièmes de dollars par page lue. Bon, c'est un côté dérisoire, quoi. Donc là, effectivement, on a bien raison de dire que ces grands conglomérats se font contre ou sur le dos des auteurs. Alors, autre, pour rester dans le domaine de la lecture-écriture, autre phénomène que je trouve absolument passionnant et qu'il faut que vous regardiez de plus près, c'est Wattpad. Il y en a parmi vous qui ont un compte sur Wattpad ? Pas encore. Wattpad, c'est une communauté. Alors là, j'ai pris la photo au mois de juin, j'ai regardé la page hier, c'est qu'ils en sont à 40 millions de Wattpadeurs. 40 millions de personnes qui écrivent des romans, des nouvelles. Enfin, on est dans l'ordre de la littérature. Des gens qui essayent d'écrire des textes, pas des essais, quoi. Donc c'est des textes, des histoires. Voilà, des histoires. D'ailleurs, je crois que c'est le terme qu'ils utilisent. Il y a 75 millions, maintenant certainement beaucoup plus, d'histoires à lire. Alors ça, c'est un phénomène assez extraordinaire. C'est en fait tous ces gens qui n'auraient certainement pas écrit, ou en tout cas qui ne se seraient pas donnés dans l'acte d'écriture, hein, qui auraient peut-être écrit sur un cahier d'écolier qui serait resté au fond de leur tiroir. Et là, ils le font sur Wattpad. Ils publient sur Wattpad des textes, des histoires, des prolongations, des fanfictions, des comptes rendus, voilà ce qui leur vient par la tête. Ils font vivre des personnages eux-mêmes. C'est une forme absolument extraordinaire de démocratisation de l'écriture. Je ne suis plus dans le mode contraint qui est celui de l'école, je suis dans le mode où je me donne l'autorisation de. Ça se paye, hein. Ça se paye en termes d'orthographe, en termes de grammaire, hein. C'est catastrophique, hein. Mais ça se paye aussi en termes de banalité. La plupart des personnages sont assez, c'est ce que j'ai lu, j'ai feuilleté, voilà. Ils ne sont pas payés à la page, c'est un système entièrement d'échange gratuit. Par contre, ils sont payés autrement. Ils sont payés en notoriété. Ce qui se joue sur Wattpad, ce n'est pas un système de diffusion de texte. Ce n'est pas « je permets à tout le monde d'écrire » et puis Wattpad va le distribuer. C'est un système où on vous dit « attends, deviens important, construis une communauté autour de tes textes ». L'objectif, ce n'est même pas de fournir des bons textes, c'est de construire une communauté autour de ces textes. Je ne sais pas si vous voyez que c'est différent. Alors, il y a les méthodes. Hein. Il faut publier par petits morceaux. On ne publie pas tout le livre, on publie chaque chapitre. On incite les autres à lire. Il faut que vous veniez lire, il faut que vous regardiez. Il faut faire des commentaires sur les autres pour que les autres viennent voir vos livres et acquérir comme ça un grand nombre de lecteurs, parce que plus vous avez de lecteurs, effet boule de neige, plus vous en aurez demain à l'intérieur de la communauté. Voilà. Et l'autre élément intéressant, c'est que le 85% des lecteurs et auteurs le font à partir de tablettes. Donc là aussi, on voit bien ce basculement vers le mobile. Alors, on retrouve sur Wattpad la même chose, des tutoriels. Hey everyone, I'm Monica Sina. Hein, donc là, des tutoriels de genre, principalement en anglais, hein, mais j'en ai pas trouvé en français, il y en a certainement. Hein, voilà. Donc, vous devez demander aux autres de lire vos histoires. C'est pas comment j'écris, c'est comment je fais en sorte pour que mon histoire soit connue. C'est ce qu'on appelle la gamification. Je transforme toute activité en jeu. Alors, ça, c'est une auteure connue, c'est un professeur qui vient donner des cours, pareil, sur comment écrire sur Wattpad. Alors là, c'est un professeur, parle un peu plus de l'écriture, mais continue à parler de
comment vous faites en sorte d'écrire des choses qui vont vous construire votre réseau, qui participent de cette gamification. Cela bloque. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le fait que Wattpad vient de lancer une application pour la Apple Watch. Vous n'allez quand même pas lire des romans sur votre Apple Watch. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une application pour lire des romans. C'est une application pour savoir combien de personnes sont en train de lire vos textes pour suivre vos statistiques. On est toujours dans l'évaluation de soi pour lire les statistiques, les pics d'activité, parce que les gens aiment ça. Et ça aussi, il faudrait... On a tendance, universitaire, on est en master, tout ça, tendance à traiter par le mépris cette activité. C'est la plupart du temps des ados. Hein, c'est des jeunes, et ils aiment ça être lus. Ils se sentent valorisés et responsables d'être lus dans Wattpad. Et ça, ça les intéresse. Là aussi, cette question de la gamification pose des questions à l'école. C'est à l'école, on a un juge, hein, c'est son professeur, qui va donner la note à la fin, etc., qui va évaluer. Et là, on a d'autres formes d'évaluation qui sont plus en phase avec le cœur. Alors, c'est peut-être moins bon du point de vue du contenu littéraire, de la grammaire ou de l'orthographe, mais ça l'est peut-être beaucoup plus du point de vue de ce que ça nous dit sur la société. Encore une fois, la figure de Janus, ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Alors, ce qu'on gagne et ce qu'on perd, on le voit dans l'auto-édition. L'auto-édition, donc, c'est la phase supérieure. Là, je n'écris plus des morceaux, mais j'ai un roman et je vais faire en sorte de le vendre moi-même en librairie. Ça tombe bien. Excellent, il y a une librairie sur Internet, ça s'appelle Amazon. Donc, je n'ai pas besoin de faire 36 démarches auprès des libraires, je n'ai pas besoin d'une maison d'édition. Je peux directement mettre mon roman sur Amazon et je fixe moi-même le prix entre 0,95$ et 5$. Et là, je m'aperçois qu'un certain nombre de ces auteurs auto-édités obtiennent du succès. Amanda Choking, qui fait des romans de vampires, à la mode, donc elle a beaucoup de lecteurs, c'est la mode, et donc elle finit par être reprise chez Macmillan à devenir milliardaire, quoi. En France, c'est Alice Quinn qui fait des... c'est une auteure professionnelle, c'est pas une jeunette du tout, c'est une auteure professionnelle qui arrivait pas en vivre, parce qu'être auteur, il n'y a personne qui en vit en France. Hein. Aux auteurs de livres, je crois qu'il y a 2000 personnes qui gagnent plus du SMIC, enfin... C'est pas avec ça, ça met parfois du beurre dans les épinards, mais c'est pas avec ça qu'on vit. Et donc, elle s'est rendue compte, en 2013, elle est devenue la première vendeuse en France sur Amazon de son livre. Et donc, depuis, il est publié maintenant en papier chez Michel Lafon. Ce qui est intéressant, c'est l'autre face de l'affaire, parce qu'on ne raconte que les belles histoires, hein. Mais il y a tous ceux qui écrivent, qui auto-éditent sur Amazon et qui sont lus par personne et vendus à zéro. Hein, c'est quand même l'immense majorité. D'accord ? C'est toujours ça qui est important. Mais c'est de se rendre compte ce que dit le responsable de Amazon. En fait, maintenant, dans le milieu de l'édition, il y a deux personnes, il y a l'auteur et le lecteur. Et tous ceux qui sont au milieu sont en danger. Sauf Amazon, puisque c'est le passage obligatoire. Donc là, pour ceux qui font les métiers de l'édition, qui se préparent aux métiers de l'édition, ça nous amène à réfléchir. Ce n'est pas tout à fait vrai. Là aussi, il faut essayer de toujours décortiquer les messages. C'est ce que nous disent aujourd'hui les gens du Syndicat national de l'édition, avec l'espèce de torchon écrit par M. Malka et distribué gratuitement la semaine dernière, qui s'appelle « La gratuité, c'est le vol ». Qui essaie de nous expliquer qu'en fait, dès qu'on dirait quelque chose sur l'organisation du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle, on serait un allié de Amazon, de Apple, de tout ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Hachette a fait céder Amazon. Les éditeurs ont encore un gros pouvoir. Que voulait Amazon ? Amazon ne voulait pas que Hachette décide du prix de ses livres. Et Hachette dit, ben non, c'est moi l'éditeur, je décide du prix de mes livres. Bilan, Amazon sert de son pouvoir pour... ne plus mettre en avant les livres de chez Hachette, pour refuser les prépublications, enfin pour mettre des bâtons dans les roues en disant « c'est moi le costaud, c'est moi qui les vends les livres, donc je vous empêche, je vous gêne ». Le tout étant en permanence à la limite de la légalité, c'est-à-dire de l'abus de pouvoir. Et là, bien évidemment, tous les auteurs du monde se mettent du côté de Hachette.
Parce qu'on ne peut pas laisser le distributeur décider de ce que le lecteur va avoir à sa disposition. Et Hachette a gagné dans la bataille. Donc vous voyez, le message de Amazon qui est tous les autres, ils ont perdu, et, sauf moi, il n'est pas si simple. Et le message des gens du SNE, et donc de Hachette particulièrement, qui consiste à dire, oui, tous ceux qui veulent faire évoluer le métier, c'est qu'en fait, ils sont des spires au service de Amazon, il n'est pas vrai non plus. Il y a effectivement un bouleversement, il y a un changement. Le monde sur lequel s'appuie l'édition est en train de changer. Qu'est-ce qu'on doit défendre dans ce changement ? Voilà. Pour moi, on doit défendre deux, trois choses. Pas de monopole, donc empêcher le monopole d'Amazon, qui peut aliéner la lecture, et respect des auteurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent vivre de leur travail auctorial, de la même manière que ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui écrivent, c'est très bien, ça s'appelle la démocratisation de l'écriture, mais il y en a qui écrivent bien. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux, en tout cas pour moi comme lecteur. Et donc ceux-là, il faut qu'on puisse les mettre en avant. Alors, autre pratique culturelle qui émerge de l'Internet, et on va voir, on va retrouver toute une série... Oh, c'est un peu fort, là, parce que... Ça, la vidéo, là, c'est un prof de fac qui l'a fait. Il est à New York. Hein. Et pas à Caen, je suis désolé. C'est à New York, c'est un prof qui travaille sur, le fan-subbing, la traduction des cultures populaires, notamment des mangas et des vidéos. Et il explique comment les techniques étaient possibles il y a 20 ans, comment elles le sont aujourd'hui, et qu'est-ce que l'Internet a profondément changé dans les stratégies de traduction, de sous-titrage des œuvres de la culture populaire ou de changer les bulles des mangas. La première chose que l'Internet a changé, c'est le travail d'équipe. On parle d'une team de fansubbers. Fansubbers, donc, c'est les fans qui font les sous-titres, subbing. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait à plusieurs. Et donc, il faut apprendre aux gens à rentrer dans des teams de fansubbing. Parce que ces teams-là ne sont pas bien vues. Alors, en Occident, chez nous, elles ne sont surtout pas bien vues des éditeurs qui essayent d'empêcher que ça se fasse. Mais dans d'autres pays, par exemple en Chine, le diffuseur, c'est-à-dire la télévision d'État, hein, le diffuseur peut bloquer, quand il est monopolistique, il peut bloquer. Même problème, vous savez, qu'il soit d'État ou privé, les monopoles, ça a toujours tendance à choisir ce que les gens doivent lire. Donc ils essayent de bloquer la parution en Chine d'un certain nombre de séries. Et ce sont les fansubbers qui, parce que bien sûr, pour que... une série américaine puisse être vue en Chine, il faut qu'elle soit sous-titrée. Donc ce sont eux qui assurent la pénétration de ces types d'activités culturelles. Et donc de ce point de vue-là, être dans une team de fansubbers, on voit bien quelle relation complexe ça fait et quel danger ça met en œuvre, peut-être plus que le danger d'avoir les éditeurs qui viennent vous enquiquiner quand on est en France. Voilà. Alors donc c'est un travail d'équipe avec des techniciens, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper d'aller récupérer les vidéos, de gérer les questions de format, puis à la fin du travail, ceux qui vont encoder en VTT ou en SRT, qui vont encoder les sous-titres, donc travail technique. Il y a les traducteurs eux-mêmes, et il y a tous ceux qui après font la vérification, l'orthographe, le fait que la validité du choix de traduction, etc. Donc voilà, donc c'est toute une équipe où chacun a sa place qui est coordonnée via l'Internet. Ce ne sont pas des gens qui se mettent dans la même pièce, qui travaillent ensemble. Ils sont coordonnés via Internet, ils le font à leur rythme, etc. Mais en même temps, ils le font à un rythme d'équipe. Notamment quand on est dans le fast tubing, c'est-à-dire qu'on veut produire très très vite, à la différence du proper tubing, de la chose qui est propre et qui est bien mise en œuvre. Alors ça a changé pas mal de choses, ça, pour le sous-titrage. Vous avez maintenant, de plus en plus, vous avez le G-Line qui traduit du jour au lendemain les mangas japonais pour les distribuer au plus vite, donc pour ne pas se faire doubler, en fait, par les réseaux de fansubbers. Et les réseaux de fansubbers eux-mêmes se retrouvent avec les réseaux de diffusion de ces vidéos sous-titrées. Autre nouvelle pratique culturelle, les machinimas. Les machinimas,
Ça vient de l'idée qu'on va pouvoir utiliser le système de captation des jeux vidéo pour fabriquer des films. Au lieu de faire un film, on a un scénario de film. Habituellement, on fait venir des acteurs, on fait venir des décorateurs, on fait venir tout ça. Et puis on filme, et puis on reconstruit, on fait du montage ensuite. Là, l'idée, c'est d'utiliser les systèmes de captation interne des jeux vidéo pour avoir les bouts séquences. Et puis après, on fait du montage pour répondre au scénario à partir des bouts séquences qui auront été captées en intérieur des jeux vidéo. Voilà. Et donc, un discours qui vient de l'extérieur, qui est remis dessus. Enfin, ce qu'on appelle une œuvre transformative. C'est-à-dire, ça n'est plus le jeu vidéo lui-même. Hein, c'est bien une œuvre nouvelle, mais qui est faite à partir de... On prend tel quel le matériau brut. J'y reviendrai. Autre pratique, comme ça, culturelle, nouvelle pratique culturelle, c'est le modding. Le modding, c'est en fait comment... J'utilise un moteur de jeu vidéo pour changer l'univers dans lequel se déplacent les personnages ou pour créer de nouveaux personnages. Donc je crée un mode au-dessus du jeu vidéo. Alors ça c'est assez intéressant parce que pour les éditeurs de jeux vidéo, ça leur permet par exemple de faire perdurer des jeux anciens qui se retrouvent avec un nouvel emballage fait par les gens eux-mêmes. C'est aussi, est-ce qu'on peut vendre un mod ? Question qui est posée. Les modeurs, en général, font ça pour le fun. Et donc, leur intérêt, ce n'est pas de gagner de l'argent. Leur intérêt peut éventuellement être de se faire repérer par les studios pour être embauché. Vous savez que le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est la principale industrie culturelle. Hein, c'est plus que le cinéma. Et donc, il y a des métiers dedans, donc il y a des tas de gens. Et on fait des modes comme on fait un pressbook pour être repéré par les fabricants de jeux vidéo et trouver un emploi. Mais le mode lui-même, on retrouve la gamification tout à l'heure. Pour qu'il marche, il faut qu'il y ait des utilisateurs. Et le meilleur moyen d'avoir plein d'utilisateurs, c'est de le distribuer gratuitement. Or, Valve, un des principaux éditeurs de jeux vidéo, a, au printemps dernier... s'est dit, ben attends, pourquoi on ne vendrait pas les mods sur un Valve Store comme on a un Apple Store ou un Play Store pour Google. Donc, pourquoi on ne vendrait pas les mods? Et là, la communauté des modders s'est mise en colère, a dit non, on ne veut pas les vendre. Ça vous sert déjà assez à prolonger la vie de vos jeux, à leur donner une valeur supplémentaire. Chaque mod n'est pas un produit de marché. Vous voyez le genre de débat qui se pose. Alors après, sur les modes, là aussi, ça ne peut marcher que s'il y a des tutoriels, si on explique aux gens comment faire, et éventuellement s'il y a du travail d'équipe. Autre pratique culturelle, le mash-up vidéo. Donc là, je prends des bouts de vidéo et je vais créer quelque chose de nouveau à partir des bouts de vidéo. Par exemple, une chanson. Je ne vais pas les mettre en entier, hein, mais il y en a plusieurs. Ça, j'avance un peu. On s'y croirait vraiment. Sylvester Stallone. Et notre ami Rocky, qui vont engager le combat. Et donc, vous voyez bien, deux films qui n'ont rien à voir, et le montage lui-même fait un troisième film qui les fait s'affronter. Arnold Schwarzenegger contre Sylvester Stallone, la super production en mash-up vidéo. Je vous laisse la découvrir. Alors, l'usage du mash-up, ça a souvent été un usage politique, hein, parce que c'est une manière de créer un discours par l'humour. Là, George W. Bush et Tony Blair. You're every breath that I take.
Je la coupe, pareil, je vous laisserai la découvrir parce que, comme ces cours sont diffusés sur YouTube, le cours l'année dernière où je montrais cette vidéo, plus longtemps, a été repéré par YouTube comme étant contraire à la loi. Je volais le droit d'auteur, non pas de George W. Bush, ni de Tony Blair, mais celui de l'auteur de la chanson. Et donc, ils ont menacé. Voilà. Et dernier mash-up que vous connaissez bien. Ah, ce qui est intéressant, c'est en sens inverse de cette logique de maintien d'un droit d'auteur extrémiste, c'est l'attitude de Psy, hein, qui a autorisé aux gens de reprendre sa chanson et d'en faire tous les mash-ups, tous les changements, les versions possibles et imaginables. Et là, nous avons un mash-up avec une centaine de versions de la chanson. Et donc là, on s'aperçoit que cet ensemble de versions dérivées a favorisé Psy jusqu'à devenir, au moment de sa parution, la vidéo la plus vue sur YouTube et a fait de lui un milliardaire. D'accord ? Donc, on voit là aussi que cette logique du droit d'auteur a forcément changé. A forcément changé, et c'est cette attitude ouverte et libérale de Psy qui lui a, en retour, permis avec cette chanson, quand même. Bon, elle va pas très loin, hein. Et c'est pas sa première, il en faisait d'aussi nul avant, il en a fait d'aussi nul après, mais celle-là, elle a eu un succès. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé de vous montrer avec cet ensemble de nouvelles pratiques culturelles. Alors, objectivement, là, on est dans des pratiques de création culturelle. Qu'est-ce qu'elles ont de nouveau globalement ? Travail d'équipe. On n'est pas tout seul à créer. L'idée du génie qui écrit dans son château et qui ne publiera qu'après sa mort, ça va. Donc, c'est travail d'équipe. C'est se faire connaître. Se faire connaître, la gamification, le suivi de ses statistiques, enfin, toute cette attitude qui consiste à aller au-delà de la simple production, mais pour voir son impact immédiat. Quand on ne pouvait pas le mesurer, un auteur, quand il mettait un livre en bibliothèque, il n'avait les résultats de ses ventes que 6 mois s'il avait un grand succès, sinon 2 ans après. Hein, donc on ne sait vraiment combien un livre s'est vendu que longtemps après. Là, on est dans l'immédiateté au point de l'avoir en permanence sur sa Apple Watch, les résultats de son Wattpad. Donc, gamification. Problème de droit d'auteur, toujours. Donc, dans toutes ces activités, il y a des gens qui disent « mais vous n'avez pas le droit de faire ces nouvelles activités, c'est interdit, ça n'est pas possible puisque vous enfreignez le droit d'auteur ». Et on ne veut pas changer le droit d'auteur pour que ces nouvelles activités deviennent des activités crédibles, responsables. Or, il y a quand même une question qu'il faut se poser. Il y a cette phrase de Picasso, attribuée à Picasso, parce qu'il y en a beaucoup qui lui sont attribués, qu'on ne sait pas s'il les a vraiment formulées, qui dit que les bons artistes copient, les grands artistes volent. Voilà. Comment, en fait, Picasso a pu devenir le Picasso qu'il est? Comment il a pu faire sa série des Ménines? En prenant Velázquez. Il a fait une série à partir des glaneurs de Millet, etc. Donc, les grands artistes, l'art, c'est toujours prendre des choses qui existent déjà et les reconstituer à sa sauce, que ce soit en peinture, en écriture. Ce qui change radicalement avec l'Internet et, en fait, globalement avec les nouveaux médias numériques, c'est que quand on prend quelque chose dans une chanson, on ne prend pas la chanson, on ne refait pas toute la chanson, là, ça s'appelle une autre version, une nouvelle version. Dans ce cas, on est dans le cadre traditionnel. Quand on fait un remix, c'est qu'on prend des bouts de la chanson et on va prendre forcément le bout réel. On va découper dans le numérique. Quand on fait un mash-up vidéo, on découpe dans l'œuvre numérique. Donc, les nouvelles formes de production culturelle, non seulement elles s'appuient intellectuellement sur des choses anciennes, mais elles s'appuient concrètement sur des extraits des choses anciennes. Et là, pour l'instant, la loi ne résout pas bien cette question-là. Je sais qu'en Irlande, il y a un débat sur justement comment on inscrit dans la loi l'autorisation de ces œuvres transformatives. En France, ce n'est pas au point. Alors,
Autre partie, quelques mots maintenant sur les mythes, parce que c'est une société du spectacle, Internet. Et derrière, les gens qui font la promotion du spectacle, quoi, les journalistes, hein, quelque part, quand ils rapportent ce qu'ils ont entendu, prennent toute une série de mythes pour argent comptant. Et un des plus forts actuellement, c'est celui des digital natives, des gens qui seraient nés avec une souris dans la main ou dont la dextérité avec le pouce sur leur clavier de téléphone mobile fait que ce sont des petites poussettes, comme dit Michel Serres dans son petit pamphlet à succès, qui seraient des mutants. Voilà. Globalement, les jeunes nés avec des ordinateurs seraient devenus des mutants. Ils vont beaucoup plus vite que nous. Ils savent faire plein de choses en même temps. Ils sont multitâches, comme les ordinateurs, quoi. Vous voyez la métaphore qui se déplace. L'ordinateur est multitâche, et bien l'usager devient multitâche. La sociologue Esther Haggitay, qui est citée en bas, dit qu'en fait, c'est plutôt des naïfs du numérique que des natifs du numérique. C'est-à-dire des naïfs au sens, oui, ils vont plus vite, mais le nombre de fois où j'en vois qu'ils tapent à toute vitesse, puis ils sont obligés d'effacer parce qu'ils ont fait une faute et qu'ils recommencent à taper, et qu'au bout du compte, ils ont été beaucoup plus lentement que moi. Hein ? Combien de fois j'en vois qui font des recherches à toute vitesse, tac, 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 j'ai dit, ah mince, c'est pas la bonne. Et qui, au bout du compte, au lieu de s'arrêter pour réfléchir, vont prendre plus de temps à faire la recherche. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une habileté technique, mais il faut avoir une connaissance, une compréhension de ce qui se joue caché, ce qui est sous la ligne de flottaison. Voilà. Et c'est ça qui est un des enjeux pour moi de la culture numérique, c'est de montrer des choses qui sont en dessous de la ligne de flottaison. Comment ça marche un moteur de recherche ? Pourquoi il va classer les documents de telle manière ? Comment les documents classés pour moi ne sont pas les mêmes que ceux qui sont classés pour mon voisin, même si nous exerçons depuis le même endroit, mais parce que nous avons des profils différents, etc. Donc ce n'est pas qu'il y a une bonne réponse, c'est qu'il y a une réponse qui nous est proposée, et c'est à nous de savoir si elle est bonne ou pas. Donc là, ça change un peu la nature de la relation qu'on a avec les outils et les appareils techniques. De savoir que tout ce qu'on dit sur Facebook est utilisé par Facebook pour savoir ce que nous pensons, ce que nous croyons, etc., ça change un peu la nature de ce qu'on va oser dire sur Facebook. De savoir qu'une photo osée qu'on va mettre en croyant s'adresser uniquement à ses copains, comme sur Snapchat, elle va rester sur Internet et elle va être réutilisée. Ce qu'on appelle le sexting, tout ça, c'est un peu ennuyeux, quoi. Voilà. Donc il faut mieux le savoir, il faut mieux avoir une espèce de conscience de ce monde numérique. Or, nos digital natives n'ont pas cette conscience-là, ils ont un savoir-faire. Alors après, et ça c'est un autre élément important, tous les outils techniques, depuis toujours, les individus se les approprient. Ce que le sociologue Michel de Certeau appelle les arts de faire. Le bricolage. Je bricole avec les outils et je leur fais faire quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Donc là, il y a de l'innovation qui se met en œuvre. Elle est plus ou moins forte et elle se transmet horizontalement. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. C'est qu'avant, l'innovation se transmettait de haut en bas. Là, maintenant, elle se transmet horizontalement, voire même souvent de bas en haut. C'est ce qu'on appelle l'innovation ascendante. C'est les entreprises qui regardent, qui écoutent, qui prennent les idées venant de leurs usagers et qui les remettent à l'intérieur de leurs produits. Alors, le problème de cette idée de digital natives, c'est que dans la situation actuelle, on en fait une question générationnelle. Comme si le fait d'être de telle ou telle génération devait suffire à expliquer les choses. Parmi ceux qui sont nés à l'an 2000, hein, les millennials, il y a des riches et des pauvres, il y a des gens qui ont des moyens, d'autres qui n'en ont pas, il y a des gens qui ont compris et d'autres qui se font écraser, il y a toute cette différence. Pourtant, si vous lisez bien la presse, elle vous propose des généralisations générationnelles. Là, vous avez Le Monde, c'était il y a 15 jours, allergiques à la hiérarchie, soucieux de préserver leur temps libre et d'entreprendre, les jeunes, nés entre 80 et 97, voient les entreprises s'adapter à leurs avis et non le contraire. On a envie de rire. Il y a 25% de chômage des jeunes.
Les entreprises qui s'adaptent aux besoins des jeunes. Mais c'est quoi ces discours? Où ils vont les pêcher? J'ai mis des photos qui sont des affiches de mai 68. Vous savez, au lendemain de mai 68, les entreprises avaient intérêt à s'adapter aux jeunes, hein, parce que sinon, les gars, ils se barraient, ils avaient du boulot ailleurs. Ils laissaient tout tomber quand c'était pas qu'ils foutaient leur poing dans la gueule du contremaître. Donc voilà, ça s'adaptait. C'est toujours, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, il y a 25% de chômeurs. On ne peut pas écrire des choses comme ça dans un journal aussi sérieux que Le Monde, quoi. La communication descendante, c'est fini. Nous donnons la parole aux équipes, organisons des chats réguliers avec la direction générale. Il faut être prêt à tout entendre, mais on y trouve notre compte en termes d'idées ou d'innovation. Ça, c'est franchement nouveau, c'est générationnel, ça. Qu'aujourd'hui, on demande aux gens d'en bas de faire monter leurs idées. Sauf que dans les années 80, ça s'appelait la direction par objectif, et ça s'appelait les cercles de qualité dans les ateliers ou les cercles d'ateliers. Et on faisait déjà la même chose, on demandait aux gens « Comment est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus vite là pour faire le travail que tu fais ? Toi qui le fais, tu le connais mieux que les autres. » D'accord ? Donc, on est dans un mythe que parce qu'on ferait du chat avec la direction, qui va quand même pas descendre hein, dans l'atelier, il ne faut pas exagérer, il y a des limites à tout. On fait des chats avec, ça changerait la nature de la relation et que ça serait une question générationnelle. Enfin, moi j'appelle ça... Ouais, je vais le dire proprement. Se moquer de nous, quoi. Voilà. Donc, malheureusement, c'est devenu aujourd'hui le discours dominant. Donc, c'est un discours qui n'a pas de réalité, ni par rapport à l'histoire, ni par rapport à la réalité concrète des gens différents qu'il y a maintenant. Mais bon, c'est celui qui est devenu dominant. Alors, heureusement, certains livres... Donc, Anne Cordier va publier un livre dans quelques jours. Il est chez l'imprimeur. Où elle fait une enquête avec des lycéens et des collégiens, donc ces fameux génération Y, digital, millennials, tout ça, et elle s'aperçoit que maintenant, ils sont très différents et que ça nous pose un problème, c'est qu'il reste des choses à apprendre même aux gens qui se servent de leur téléphone mobile 24 heures sur 24. Il reste des choses à comprendre, en tout cas, et que ce n'est pas en ayant peur de leur parler, en disant oui, « ils sont bien meilleurs que moi, ils se débrouillent mieux et tout », qu'on les fera avancer. Sinon, mettant toujours en perspective ce qui est fait, les bricolages qui peuvent ou qui doivent être faits, parce qu'on ne s'approprie vraiment les choses que quand on les bricole, et puis les fondamentaux, hein, les fondamentaux de l'humanisme. Et... Alors, je ne pouvais pas faire un cours d'introduction sans mettre en avant ces deux personnages qui sont deux héros de l'Internet. Et le soldat Chela Mannix, qui... Il s'appelait à l'époque Bradley Mannix et il a changé de sexe. Il s'appelle donc Chela Mannix. Il est en prison aujourd'hui pour avoir mis sur Wikileaks les télégrammes des ambassades américaines où on s'aperçoit que la diplomatie, ce n'est pas vraiment mettre sur la table les grandes questions, mais c'est beaucoup plus des petits arrangements. Voilà. Donc cette idée que mettre en transparence l'information est une nécessité à l'époque de l'Internet. C'est pas simple. C'est pas simple. Ça s'est pas fait tout seul. Personne n'a été les voir sur Wikileaks, enfin très peu de gens. Mais c'est une fois qu'ils ont été sur Wikileaks, on a demandé à des journaux, des grands journaux, hein, Le Monde, le New York Times, El País, Le Guardian, et je sais plus quel est le journal allemand qui était dans l'affaire, mais cinq grands journaux, d'étudier les données et de retirer chacun pour son pays ou son domaine d'intérêt, ce qu'il y avait à retirer de ces télégrammes mis à disposition de tous. Alors, Bradley Mannix a été attrapé, mis en prison, et depuis, il est victime de harcèlement. Dernièrement, on l'a mis au mitard pour 6 mois, parce qu'il avait dans sa cellule le numéro de Vanity Fair sur Caitlyn Jenner, qui est l'ancien coureur Bruce Jenner, devenu femme, et qui a fait la une de Vanity Fair en femme. Voilà, donc vous voyez un peu le genre de... Tout ça au moment où dans Orange is the New Black, on voit que c'est un transgenre qui tient la vedette. Donc ce harcèlement sur Chela Mannix, qui est pour moi un des héros de l'Internet, un des héros de la liberté d'expression. Mais il y en a un qui est encore plus un héros, c'est son voisin, Edward Snowden. Edward Snowden, alors...
Ça faisait des années. Moi, depuis que je suis sur Internet, ça commence à faire un bail. J'entends dire que, en fait, le FBI, la CIA, la NSA, tous ces organismes américains captent toutes les données, font des analyses. Ils ont un réseau qui s'appelle Echelon et qui regarde tous les mails et qui essaye de repérer les gens, de les suivre à la trace comme ça. Bon, ouais, ça, il y a tellement de théories comme ça sur les grands méchants qui sont toujours derrière nous que, voilà. Ce qu'a fait Edward Snowden, c'est qu'il a sorti les documents réels. Et on sait donc maintenant que c'est vrai, que ce n'est pas un mythe qu'on pourrait nous surveiller, mais c'est vrai que les États nous surveillent. Et ils ne surveillent pas seulement nous, les gens de la rue, mais ils se surveillent entre eux. On prend le téléphone mobile de Angela Merkel et on le décrypte à New York. On s'étonne après qu'il y ait des problèmes sur la vente des Airbus face à Boeing, alors qu'il y a toute une série de mails confidentiels des entreprises qui sont écoutés par les services secrets. On sait aussi maintenant que les services secrets français écoutent aussi les individus. D'ailleurs, on a fait au mois de juin une loi pour dire, bah oui, on le faisait avant, c'était illégal. Hein. Bah maintenant, ça va devenir légal, on va faire une loi pour légaliser ce qui était illégal avant. Enfin, c'est la loi du mois de juin. Tout en disant, ce n'est pas de la surveillance de masse. On surveille tout le monde, mais égalitairement. C'est une loi d'égalité, en fait. Voilà, ce n'est pas une loi de surveillance de masse. Enfin, on est dans un discours qui a pu avoir avec la réalité. On est dans une situation où toutes les activités peuvent être surveillées et traquées, mais bien évidemment, il n'en sortira que deux ou trois personnes. D'ailleurs, même pas deux ou trois, depuis qu'on pratique ça, et on n'a jamais réussi à repérer des gens. Les gens, quand on vous dit ensuite... Ils ont provoqué un attentat, mais on les connaissait avant. En général, c'était par bien d'autres moyens qu'ils étaient connus, et ça n'a pas empêché, malheureusement, leur attentat. Donc on est aujourd'hui dans une situation complexe. Là aussi, c'est à nouveau Bansky qui a peint ça autour d'une cabine téléphonique dans la ville d'Anglaise, où il y a le centre d'écoute du MI5, donc les services secrets anglais. Et bien sûr, son œuvre a été sabotée tout de suite parce que les espions du quartier n'aimaient pas qu'on représente comme ça l'idée que toute communication pouvait être captée. Qu'est-ce qui rend ça possible? C'est le fait que la société de la connaissance, l'industrie de la connaissance, la fabrication de la connaissance, c'est secret. Enfin, quelque part, on ne la voit pas circuler. Donc, on peut toujours imaginer qu'une bretelle vient et qu'on va décrypter cette information et s'en servir. C'est aussi qu'on a développé des outils qui le permettent. Captation de masse, traitement à toute vitesse, et puis nouvelles méthodes statistiques pour voir ce qui pourrait émerger, les signaux faibles qui pourraient émerger. Qui a fait ça? Qui a mis ça en avant? Ce n'est pas d'emblée les services secrets de surveillance, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui se sont mises à capter toutes les traces à toute vitesse pour dans les quelques millisecondes qui vont entre le moment où vous cliquez sur un lien et le moment où vous accédez à une page et le temps de choisir la publicité qui va vous influencer au mieux. D'accord ? Donc il n'y a pas d'un côté les méchants États, de l'autre les bonnes entreprises. Non, non, il y a tout un système qui est basé sur le traçage et la surveillance. Et c'est ça qui est important et qui est radicalement nouveau, que nous ayons eu des États qui nous surveillent. Ça a toujours existé. Que nous ayons eu des entreprises qui cherchent à nous vendre quelque chose, ça a toujours existé, c'est leur métier. Mais la compétence technique, ce que j'appelle l'industrie de l'influence, la création d'une industrie, de méthodes industrielles, de techniques industrielles, l'embaucher des recherches pour accélérer la vélocité, pour accélérer le contenu des données qu'on va capter et leur mode d'interprétation, cette fabrication industrielle de l'influence, elle est radicalement nouvelle. Et elle change quelque chose dans un monde quand même qui est devenu très instable, au bord de la guerre. Et donc en quoi, en fait, dans ce monde très instable, les possibilités de manipulation de masse deviennent excessivement importantes au travers de l'industrie de la surveillance. Vous avez toujours rêvé de sauvegarder automatiquement toutes vos données sans même avoir à vous en soucier. NSA Cloud Backup, le stockage illimité par le numéro 1 mondial de la sécurité informatique. Vous n'avez rien à configurer. Nous avons déjà les accès à tous vos équipements informatiques.
Vos communications sans fil sont elles aussi intégralement conservées. La totalité de vos données est sauvegardée pendant plusieurs années dans l'un des 500 data centers de la NSA. Nous écoutons l'ensemble des points de raccordement du réseau ainsi que tous les câbles sous-marins. L'option Prisme permet de sauvegarder votre activité sur les réseaux sociaux et de réaliser des graphes complexes pour retrouver l'ensemble des amis avec lesquels vous communiquez. Avec NSA Cloud Backup, participez vous aussi au mouvement Open Data. Toutes vos informations sont mises à disposition des meilleurs analystes de la planète qui peuvent y accéder en toute liberté et produire des rapports de haute technicité. NSA Cloud Backup, souriez, vous êtes déjà abonné. Alors, face à cette situation, c'est clair que Internet utilise l'arme de l'humour. Et une des choses qui marche le mieux aujourd'hui sur Internet pour dénoncer toutes ces choses, c'est l'arme de l'humour qu'on voit se développer partout et sur tous les sujets. Et ça, c'est une grande nouveauté aussi. Là où les opposants avaient tendance en général à être présentés sous un regard triste, avec un chapeau mou et des distributions de tracts même sous la pluie, aujourd'hui les opposants sont ceux qui utilisent le plus l'humour et le mettre en avant pour dénoncer les systèmes de surveillance. Donc voilà. Alors donc les traces privées, j'en ai parlé déjà. Donc c'est cette idée qu'on a des industries qui captent les traces et qui peuvent s'en servir et qui y compris peuvent s'en servir, je crois que c'est le transparent suivant, oui, un peu, la captation de données. Donc, on considère aujourd'hui que les captations de données personnelles, c'est le pétrole gris. On va, que toute la richesse du web ne peut venir que de la captation des données personnelles. Une fois qu'on les a captées, c'est pour les vendre à quelqu'un. Il reste qui à les vendre ? La publicité, le militarisme ou les États ? Mais donc, on va capter des données, toutes les traces, on va les interpréter et les vendre. Et qui est le pigeon dans l'affaire ? Et pas celui à qui on vend. Celui à qui on vend, il sait ce qu'il achète, il sait quel prix il va y mettre. Et derrière, s'il sait quel prix il va y mettre, il sait quel est son retour sur investissement. Il faut forcément qu'il gagne plus que ce qu'il va investir pour acheter toutes ces données. Or, l'ensemble de ces données, donc la publicité en général, c'est ce qui fait vivre le web. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à faire vivre le web gratuitement, à verser tout l'argent qui fait vivre le web, juste en échange de ces données personnelles, c'est bien qu'elles ont un retour sur investissement. C'est bien que, quelque part, cet argent leur en fait gagner encore plus. Il faut qu'on mesure ça. Donc, une fois qu'on a dit « la publicité, c'est la seule chose qui fait venir le web », on a fini, on a fermé la porte. On a fermé la porte. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est capter encore plus de traces. C'est d'avoir des logiciels plus rapides pour les traiter. Et c'est d'avoir du gouroutage des systèmes d'interprétation encore plus puissants pour être encore plus précis et plus capable de vous influencer. Donc c'est la démarche des mégadonnées. On accélère pas à pas. Et puis, si ça ne marche pas bien, si vous avez toujours la même pub qui vient alors que vous avez déjà acheté le produit, pas grave. Demain, ça ira mieux parce qu'on aura plus de données encore sur vous. Donc on voit, on a une machine de captation de données qui s'est mise en œuvre et qui tourne toute seule et qui est comment dire, accélérée par le fait que tout le monde dit « Ben oui, mais si vous voulez, si ce n'était pas ça, il faudrait que je paye. Donc je préfère subir la pub que de payer. » Alors qu'on paye déjà. On paye le matériel, on paye la richesse en fait, des entreprises dont le métier, c'est de capter de la donnée pour la revendre aux gens de la publicité. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'une fois qu'on a capté les données, le nouveau truc in, c'est de s'en servir pour vous influencer, non pas dans la vente, mais dans votre état d'esprit. Nous sommes, quelque part, avec les réseaux sociaux, tous devenus des cobayes. Il y a cette enquête qui a été publiée l'année dernière, hein, 17 juin 2014, qui est faite sur 600 000 personnes, 670 000 je crois d'ailleurs, de gens, dans lequel on a modifié les messages, on a créé des messages qui étaient soit gays, soit tristes, pour voir si ces messages censés provenir de vos amis sur Facebook, est-ce que c'est capable de vous rendre gai ou de vous rendre triste. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de messages trafiqués comme ça, on peut induire votre mood ?
ça n'a même pas gêné les chercheurs qui ont mis en œuvre cette recherche. En principe, une recherche, on avertit le sujet qu'on fait une recherche sur lui. C'est obligatoire en médecine, c'est généralement appliqué en sociologie. Là, non, puisqu'on le fait sur des traces. Et donc, on apprend comme ça à manipuler les gens. J'ai inversé les transparents. Ce texte de la DARPA, les chercheurs de la DARPA, c'est l'équipe de recherche de l'armée américaine. Alors, il y a des financements, puis il y a des choses comme ça. Ils cherchent à utiliser le savoir qu'ils peuvent cumuler sur les gens pour savoir quels sont les influenceurs et quels sont ceux qu'il nous faudra rapidement influencer en cas de besoin. En cas de besoin de l'armée américaine pour une action quelconque dans le monde. D'accord ? Donc vous voyez ce système. On montre qu'on est capable d'influencer les gens et on montre qu'on est capable de repérer ceux qui vont relayer l'influence auprès des autres. J'appelle pas ça une société de liberté. J'ai du mal à comprendre que c'est une société de liberté. Et pourtant, dans le même temps, l'Internet, moi, je l'ai vécu comme un outil de liberté. Je l'ai vécu comme un outil d'accession au monde entier. J'étais plus confiné à Caen, mais j'avais des nouvelles du monde entier. Je lis depuis beaucoup plus les journaux du monde entier. Je peux communiquer avec des gens, je peux développer mes propres idées. Je peux même faire des cours qui seront repris et qui sont mis sur une télévision. Tout ça, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, cette ambivalence permanente de l'Internet, c'est ce qu'il nous faut un peu essayer de comprendre et de maîtriser. Il n'y a pas les discours tout bien, là, Steve Jobs en début, nous allons changer le monde grâce à la technologie. Il n'y a pas les discours qui nous disent, oui, mais en fait, c'est fini, Internet, vous avez perdu tout, la liberté, l'autonomie, l'individu et tout ça, et les droits d'auteur. Non, il y a un combat intérieur à l'Internet, à l'intérieur du système Internet. Il y a des gens qui développent la liberté, des gens qui développent l'usage à des fins de bénéfices privés ou collectifs sur la maîtrise, l'impression qu'on peut faire sur les individus. Alors pour moi, la culture numérique, c'est un peu comment on gère ces deux aspects de l'Internet. Comment on sait à la fois toutes les choses super, comme ce que je vous ai présenté, des nouvelles formes culturelles et derrière des nouvelles relations qui se tissent entre les gens dans ces nouvelles formes de création culturelle, et puis comment on essaye d'amoindrir, de diminuer les risques liés au fait qu'une fois que la fabrique de la connaissance elle est transparente, elle est invisible, comment est-ce qu'on peut avoir de la surveillance et de la manipulation. Donc pour ça, je pense que l'enjeu, c'est de former les gens. Donc ça, c'est vous former, puis j'espère vous, après, former les autres, notamment ceux qui vont devenir professeurs documentalistes, qui ont un rôle particulier à jouer en ce domaine vis-à-vis des jeunes. Je pense aussi former les élus. Les élus, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et on est dans une contradiction, c'est que là, j'explique deux choses qui sont contradictoires. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, ça ne sera pas simple. Hein, on ne va pas s'en sortir en disant, mais c'est comme ça, la voie est tracée toute devant. Les lobbies, eux, ils ont la réponse. Ils disent, la voie, c'est celle-ci, il faut y aller comme moi. Donc, les politiques, ils n'ont pas beaucoup de temps. Entre du temps encore plus important à comprendre, à essayer, en plus, on verra, il y a des questions techniques qui se posent, et puis suivre la voie des lobbies, ben voilà. Donc il faut former, ça me semble une activité absolument essentielle. Il faut outiller la démocratie. C'est le terme de ce qu'on appelle la littératie numérique. On ne peut pas dire, oui mais ça c'est trop technique pour moi, c'est l'Internet, je laisse ça aux informaticiens, je ne veux pas y toucher. Non, c'est devenu la vie. C'est notre vie. Donc, dans des choses très compliquées comme la fin de vie, nos hommes politiques, ils décident, ils font des lois, il y a des débats dans les journaux. C'est tout aussi compliqué, peut-être certainement beaucoup plus, que d'écrire des lignes de code informatique. Excusez-moi, mais on touche là à des choses vraiment profondes. Donc, c'est compliqué. Et ils se sentent le droit de faire des lois et tout ça, alors que dès que c'est Internet, oh, ben non, moi j'écoute les spécialistes, je ne fais plus rien. Non, c'est pas possible, ça. C'est une attitude qui ne peut pas perdurer. Donc il faut outiller la démocratie, offrir au maximum de gens la littératie numérique, c'est-à-dire la capacité à comprendre ce qui se passe dans le monde du numérique. Il y a un excellent rapport sur ce sujet fait par le Conseil national du numérique, qui est une instance dont une partie des financements vient de l'État, une autre partie est du travail bénévole. Il y a une chercheuse d'ici qui en fait partie. Donc voilà, qui se réunit régulièrement et qui réfléchit, qui participe à des groupes de travail, etc.
Donc pour produire des rapports, et celui donc sur la littératie numérique montre quel est l'enjeu de permettre aux gens de comprendre et de savoir utiliser et d'être libres vis-à-vis de leurs outils numériques, d'avoir des citoyens conscients. La troisième chose qui me semble importante, c'est de considérer que le numérique n'est pas un outil, mais un écosystème. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Ce n'est pas un outil, et la plupart du temps, les gens disent, parce que, on l'a lu sur les internets. Voilà. Donc c'est un outil. C'est comme si on avait pris les médias, moi, politique ou chercheur ou industriel ou publicitaire, je sais utiliser les médias, c'est mon outil pour toucher des gens. OK. Là, ce n'est pas ça. On est plongé à l'intérieur des usages du numérique, tout le temps, avec tous nos appareils, en permanence. Ça survivra à notre activité, à nous. Quand le jour où on s'arrête, mais il y en a d'autres qui continuent. L'Internet survivra à tous les changements de régime. Voilà ce qui s'est passé en Égypte, par exemple, ça a été très significatif. Tous les changements de régime, l'Internet y a survécu. Donc on a aujourd'hui un écosystème du numérique dans lequel les individus sont plongés. Et comme tout écosystème, il faut à un moment donné qu'on apprenne à vivre dedans, qu'on apprenne notre liberté, le choix à certains moments de se dégager de la pression. Et ça, c'est devenu de plus en plus difficile pour toute une série de métiers et de spécialités. La pression, les mails qu'on reçoit le samedi et le dimanche, tout ça, c'est une pression énorme. Donc comment est-ce qu'on va apprendre à libérer cette pression qui vient du fait qu'on venait plonger dans un écosystème et que ce n'est pas un outil extérieur à nous? Et puis aussi, comment on va pouvoir se servir du meilleur, donc tout ce qui est les nouvelles formes de rencontres, par exemple les sites de rencontres, les choses comme ça, qui induisent de nouvelles relations entre les individus ou les médias sociaux, voilà, qui créent de nouvelles formes de relations. Donc voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir développer en fait l'aspect utopique de l'Internet dont j'ai parlé, éviter toutes les grandes concentrations, la captation de valeur et puis tout ce dont j'ai parlé. Et donc pour moi, voilà, c'est ça la culture numérique, c'est en fait élargir les capacités d'agir, élargir le pouvoir d'agir, l'empowerment des individus face à un monde où, de toute façon, ils sont plongés dedans. C'est ridicule aujourd'hui d'être contre l'Internet. C'est pas une question, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, ce n'est pas ça le problème, je suis dedans. Donc comment est-ce que je réagis face à ce monde-là? Je voudrais certainement le changer, parce que je ne suis pas convaincu qu'on soit au mieux de ce que l'humanité peut faire. Mais donc comment est-ce qu'on va pouvoir habiter cet écosystème numérique, développer les formes culturelles émergentes, voilà, et en même temps bloquer les systèmes de concentration, c'est-à-dire acquérir des capacités de citoyens, tout simplement. Jusqu'à présent, nous avons pensé les capacités de citoyens comme des capacités à « je vote pour un tel » ou « je vote pour machin », »,« je change la représentation ». Non, les capacités de citoyens, ça va au-delà de la question de la représentation, ça va sur les questions de comment j'accepte ou je n'accepte pas les modes de vie, les systèmes de pouvoir qui ne sont pas uniquement des pouvoirs politiques ou les systèmes de, au contraire, comment je promeux des formes alternatives de relations entre les gens. Et donc, c'est la culture numérique, pour moi, c'est tout simplement la formation du citoyen au XXIe siècle, au moment où on est plongé dans le numérique. Voilà, j'espère que j'ai fait une définition qui va vous satisfaire et que je vais donc essayer de développer dans les sept cours qui restent. Le prochain est sur l'histoire de l'Internet, puis après on travaillera des choses comme l'image, la musique, enfin on travaillera quelques sujets à nouveau qui permettent de faire réémerger l'ensemble de ces questions. Merci. Vous avez des questions? Maintenant que les caméras sont coupées.